vous regardez ETV. Près de 70% de l'eau potable produite en Guadeloupe partirait dans la nature. Comme cette fuite d'eau à Moravie-Cambrefort, sur la commune de Capesterre-Belle. Des centaines de litres d'eau sont perdus chaque jour, depuis maintenant 2 mois. Les riverains crient leur colère. Tous les semaines, 2 fois par semaine même, on n'a pas d'eau. Et quand on voit de l'eau qui coule comme ça, nous on demande qu'est-ce qu'on fait. Ils nous envoient des factures tout le temps. Rien du tout, et ça coule. Et même les gens viennent laver leur véhicule là. Cette fuite est à quelques centaines de mètres de l'usine qui produit l'eau potable. Hugues Léonidas est investi depuis 30 ans dans le comité de défense de l'eau pour la Guadeloupe. Il dénonce le manque d'investissement des collectivités locales. La fuite qu'il y a actuellement là, c'est pas la vanne qui est en train de fuir. Hein. C'est la tuyauterie qui vient du conduit, la grosse tuyau, qui est complètement naze, qui est complètement pourrie. Parce que la conduite, ça fait X7 ans, ça fait plus de 50 ans que c'est là et ça n'a jamais été changé. C'est pour cela que l'eau en Guadeloupe est polluée. Il y a plus de 50 fuites comme ça dans la région Capesterre, simplement. Sur la commune, quelques travaux ont commencé. Mais pour les associations, le rythme est encore beaucoup trop lent. Les effets du plan urgence eau se font de plus en plus pressants. Du côté des communautés d'agglomération, en charge de la distribution de l'eau, des discussions sont en cours pour réduire le nombre d'organismes de gestion de l'eau sur l'archipel.